Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coloriage aujourd'hui, j'ai repris un nouveau coloriage donc d'Emmanuel Colin. Je les adore, vous le savez. Donc c'est mon troisième coloriage de cette illustratrice. J'adore vraiment, vraiment, vraiment ses dessins. Et donc là, il y a des petites guêpes dans le dessin, mais ça va, elle ne pique pas celle-là. donc là, j'ai commencé à l'envers. Je n'ai pas commencé par le visage cette fois-ci. J'ai commencé par les fleurs qui sont dans les cheveux. Pourquoi, je ne sais pas, comme ça, j'en avais envie. Voilà, j'ai voulu commencer par les fleurs. Donc après, je ferai les cheveux. Après, je ferai la peau. Et il me restera les petites guêpes à faire. Voilà. Donc c'est un coloriage de profil. Donc pour l'instant, d'Emmanuel Colin, donc c'était pas encore des... j'avais pas encore fait de profil, mais là, ça en sera un. Donc tant mieux. J'ai commencé à colorier donc avec mes Prismacolor. Donc pareil, je les adore. Hein. Ils sont nickel pour colorier. Ils glissent super bien. La pigmentation est nickel. Là, ce que je fais par contre, parce que les pointes sont toutes petites quand ils sont neufs. Toute petite et pas pointue, donc je les taille tout de suite parce que moi j'aime bien travailler avec des crayons pointus. Dès que j'en utilise un, ben, je le taille pour qu'il ait tout de suite sa pointe. Sinon, ils sont vraiment nickel. J'ai pas de casse de pointe, rien vraiment. Super, je regrette pas de les avoir achetés. De toute façon, bon, à ce prix-là, vaut mieux pas regretter. Hein. Enfin, ceux-là, c'est pas moi qui les ai achetés, puisque je vous avais dit, c'était Chouchou qui me les avait offerts. Mais bon, c'est pareil. Hein. C'est dans la même maison. Donc voilà. Donc là, j'ai un autre coloriage d'Emmanuel Colin que je ferai peut-être la semaine prochaine, que j'ai préparé, qui me plaît beaucoup aussi. Je verrai. Je vais déjà terminer celui-là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pourtant, je mets très longtemps ma machine pour l'apnée du sommeil. Alors, la machine, normalement, doit vous empêcher d'avoir envie de dormir la journée, puisque l'apnée du sommeil, c'est ce qui vous donne la fatigue, hein, la journée. Et la machine régule cette comment ça s'appelle? Si vous voulez l'apnée du sommeil, vous arrêtez de respirer en dormant. Et donc, ça vous fatigue. Et moi, j'ai arrêté de respirer pas mal quand même. Donc, et quand j'ai ma machine, ça va. Mais là, pourtant, je suis fatiguée. Oh, j'ai froid, j'ai piqué le gilet à chouchou. J'avais pas le courage d'aller me rechercher un pull dans l'armoire, donc je vais piquer son pull, son gilet. Donc voilà. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était le coloriage. Voilà. Alors, pour ce qui est que mes vidéos floutent. Alors, j'essaye.
J'essaie les réglages, j'ai changé mes objectifs. Ça floute moins. Ça floute moins. Mais bon, il y a toujours quand même un petit floutage. Mais bon, je sais pas pourquoi. Pourtant, ma caméra est neuve, hein, elle n'est pas est neuve. Bon, ça fait quoi? 4-5 mois que je l'ai. Et oui, je sais, ça va commencer à vous embêter que je me frotte les yeux comme ça, mais bon, je sais pas, parce que j'arrive pas à régler pour que ça ne floute plus. Donc, il va falloir que je vois quoi faire. Alors, je pense que bon, ça floute, c'est quand je mets le zoom. Mais voilà, bon, j'essaye. Alors là, j'ai pas trop zoomé pour éviter que ça floute trop. Donc, j'espère que ça va. Enfin, ça fait quand même un fin, alors vraiment fin floutage. Mais on voit très bien quand même la vidéo. Donc, je m'en excuse par avance. Alors, à moins que je revende ma caméra et que je rachète un autre modèle plus performant, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je vois. Ça vient peut-être de la caméra. Hein. Ça vient peut-être de la caméra. Il faut que je vois ça sérieusement. Là, je vais vous laisser visionner ma vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce coloriage pour aujourd'hui, enfin ce début de coloriage. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et en même temps, là, je serai à le voir pour. On est au mois de mars, hein, donc j'ai pas encore une nouvelle des boutiques de Diamond Painting. Donc, je pense que je vais préparer une surprise moi-même. Je vais voir. J'attends encore une semaine, mais je vous en reparle. Allez, je vous laisse visionner la vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage. Un gros bisou. À bientôt.
Thank you.